Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Donc nous arrivons à cette fameuse journée de dimanche 31 mars 2024. C'est à la fois le dernier jour de la semaine, mais également et surtout le dernier jour du mois de mars. Alors on va voir ce que nous réservent les cartes. On est toujours sur des énergies en fil conducteur, hein, de confiance en soi, d'estime de soi, d'acceptation aussi, hein, de tolérance, mais toujours vis-à-vis de soi. Hein. Là, on se priorise cette semaine. Hein. Et donc, bah, ça continue sur cette journée de dimanche. Alors, on va voir comme ça comment tout cela vient s'intercaler dans le tirage. Un tirage en deux cartes avec deux oracles différents. Et puis, pour terminer, nous aurons un message bienveillant et positif. Hein? Allez, on y va pour... Alors, le foyer. L'attente. Alors, le foyer et l'attente. En ce dimanche, eh ben, on privilégie les loisirs, on privilégie la famille. On a envie de profiter un peu de son chez-soi. Évidemment, si vous en avez la possibilité, parce qu'il y a des personnes qui travaillent, mais si vous travaillez, vous aurez malgré tout envie de... Vous ne serez pas forcément motivé pour aller au boulot, vous aurez plutôt envie de rester chez vous. D'accord? Et cette notion de bien-être, comme si c'était une façon aussi de vous rassurer une fois que vous avez passé le pas de la porte, en fait. Votre foyer, c'est vraiment votre cocon. Vous allez peut-être vivre des choses qui ne seront pas faciles au travail. Peut-être beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, des choses difficiles, hein, surtout si vous êtes dans le domaine médical. Si vous travaillez, si vous êtes au contact de la clientèle, vous pouvez avoir des clients, des personnes qui sont un peu revêches, pas très sympas, etc. Donc là, on sent que le fait de rentrer chez vous, ça va être vraiment un vrai réconfort. Hein. La maison, là, elle est... et l'attente, c'est l'envie vraiment de rentrer chez soi, de retrouver son intérieur. Vous êtes peut-être parti aussi pour toute la semaine et vous allez rentrer chez vous dimanche. Quel bonheur de rentrer chez soi, hein. On sent que là, vous en avez vraiment envie. Même si vous habitez en colocation, si vous habitez, avec vos parents, avec vos enfants, etc. On sent que c'est un vrai soulagement, un vrai bonheur et vous n'attendez que ça, en fait, hein, de pouvoir retourner chez vous. Hein. Voilà, donc, c'est la maison, son petit cocon est vraiment très important. Hein. On a besoin de retrouver de la douceur, on a besoin de retrouver son quotidien, on a besoin de se raccrocher aussi aux choses du quotidien pour pouvoir surmonter certaines difficultés. Hein. Je pense toujours au travail, hein, qui peut être très, très énergivore en cette journée de dimanche. Hein, le fait de rentrer chez vous, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, par exemple, si vous avez un quart d'heure, 20 minutes, ben vous allez passer, si vous en avez la possibilité, évidemment, hein, de rentrer chez vous pour prendre un café, pour faire un bisou à vos enfants ou parler à votre compagnon ou compagne, si vous avez quelqu'un, ou à votre colocataire, etc. Voilà, on sent que vous avez besoin, votre foyer sera vraiment un refuge. Hein. Mais foyer au sens appartement, maison, voilà. Hein. Vous avez vraiment besoin de ça, hein, en cette journée de dimanche. Il y a des gens qui... Vous allez peut-être vivre des choses qui ne seront pas forcément très très faciles. Hein.
Ou en tout cas, ben voilà, après une longue absence, ben vous rentrez à la maison et vous avez qu'une envie. Il se peut aussi que vous passiez que vous soyez invité, par exemple, le dimanche midi. Et en fait, vous avez répondu présent parce que voilà, vous en aviez envie, hein, bien sûr. Mais vous allez vite vous rendre compte que vous vous ennuyez, que il y a peut-être des disputes, ou il y a peut-être beaucoup de monde et c'est un brouhaha sans nom, enfin voilà, ou que les choses sont peut-être pas très bien organisées, etc. Et vous n'aurez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous, hein. On sent que là, oh là là, que j'entends vraiment ce souffle de soulagement en disant, et ça va être très spontané en plus, hein, enfin de retour à la maison, quoi. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Aimez-vous, là, c'est que, ben voilà, votre confort, votre. Comment dire, votre foyer, c'est là où vous vous sentirez le mieux en fait. Vous trouverez un certain réconfort et c'est ce qui va vous faire du bien d'ailleurs, hein. C'est vraiment ce qui va vous faire du bien, vous régénérer quelque part, hein, vous ressourcer, d'accord? Donc, et on voit bien, hein, que de toute façon, là, la maison, elle est en hauteur, elle est en hauteur ici et on voit bien que vous avez envie de vous isoler. C'est un peu comme une cage de Faraday, hein, où vous êtes, voilà, vous vous protégez à l'intérieur de votre habitacle, de votre habitation, ok? Eh bien, écoutez, hein, si c'est ce qu'il vous faut, eh bien, n'hésitez pas, on fait ce qui est bon pour soi, toujours, hein. Alors, le message bienveillant et positif, c'est « Je suis ». Je prends conscience que ma lumière est grande. Pardon, je bouge. Alors, je reprends. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis un être divin. C'est un très très joli message, hein, pour ce dernier jour de mois de mars. Donc, je vous laisse vous imprégner du message et mettre en pause éventuellement pour vous le relire. Voilà, donc je suis, hein. On sent que vous avez besoin de vous trouver là où vous vous sentez le mieux pour vous retrouver justement, c'est très joli, hein. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec ce tirage du dimanche 31 mars 2024. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et d'une manière plus générale, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve très très vite. Allez, à bientôt. Bye bye.